l'émission ce soir. La nuit nous appartient. Elle appartient aussi à mes invités. Et ce soir, je vais vous gâter parce que je reçois la nouvelle Miss France, Laurie Tillman. Elle ne se déplace jamais sans sa super nanny qui est aussi la nouvelle directrice du comité Miss France, Sylvie Tellier. Je reçois aussi un fils et sa mère vus à la télé tous les vendredis soirs sur TF1, Alban et Chantal de Qui veut épouser mon fils. J'accueille l'homme aux mille visages, mais au talent unique, Jonathan Lambert. Yes! C'est pas nous, hein? Vous êtes prêts? Ça, c'est un beau public. Mes prochains invités sont venus en famille et vous avez pu les voir dans l'émission Qui veut épouser mon fils? On les applaudit fort ce soir, la nuit appartient à Alban et Chantal. Bonsoir Alban, bonsoir Chantal. Bonsoir. Aujourd'hui toute la France vous connaît puisqu'on vous a découvert dans l'émission Qui veut épouser mon fils. Chantal, en faisant l'émission, vous n'avez pas eu peur que la réponse soit personne? Franchement. Ça aurait pu, de toute façon. Ah bah, bien sûr, hein, de toute façon. Mais votre fils est formidable. Il est bien. Non mais c'est bon. J'adore. Non mais il est bien, c'est vrai, il est bien. Non mais en tout cas l'émission est superbe. J'adore. Vous avez vu la version originale avant de signer pour celle-là? Absolument pas, j'aurais adoré, je pense qu'on aurait tous adoré du reste. Ça aurait été génial quand même, la version robeux de Qui veut épouser mon fils. C'est vrai. Il n'y aurait pas eu de discours, le mec serait parti avec les quatre meufs, vu qu'on est polygame pour la plupart. Nous, on ne serait pas pris la tête. On a l'épisode, c'est réglé. Effectivement, on n'y avait pas pensé. Ah oui, toi, tu remarques, tu en avais déjà deux. Hein? Ouais, tu avais déjà deux petites prétendantes. Comment ça? De quoi? Qu'est-ce que de enfin, quoi en fait de compte, non mais c'est vrai, deux, trois, non mais c'est vrai. De trois, trois quoi? Non. Ma mère, elle, elle lance les dossiers. Non, parce que vous dites, c'est parti avec quatre, effectivement. Non, mais enfin, une, ça suffit. Non, mais c'est vrai. Pendant l'émission, t'es sortie avec Angélique, qui vient de porter plainte contre toi, parce qu'apparemment, tu aurais une sextape. Eh avec bah, elle, on la voit. Je ne suis pas au courant. Tu as menacé. Ah bah oui. Tu as menacé de la divulguer. Elle a porté plainte contre toi. Il m'est arrivé d'en faire dans le passé, parce que la sextape, c'est un truc, c'est sympa, hein, mais là, pour le coup, tu vois, j'en ai pas. Donc c'est faux. J'espère. Et moi aussi. Parce que ça se trouve, hey, tu vois, il y en a une qui tourne sur vous. Hein. Non, non, hein, pas ma mère. Non, mais attends, non, pas du tout. Non, il n'y a pas de. Attends, j'espère pour lui tout de même, parce que franchement. Non, non, il fait pas ça. Non. Mais il vient de dire qu'il l'avait déjà fait. Non, non. Avec votre caméscope personnel. Une boutade. Les vacances à la boule. Allez pas jusqu'au bout, hein. Apparemment, il y aurait quatre sextapes. Ah non. Qui tournent. Sextapes. Ah carrément. Non, sérieux, c'est ce qu'on dit dans la presse. D'accord. C'est quoi le but? C'est de les sortir comme Harry Potter en trilogie ou quoi? Mais quatre sextapes. Non, mais c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, la presse. Non, mais attendez, qui dit ça? Parce que c'est impossible. Bah, toute la presse sérieuse, voici, public, oups. Non. C'est oui, c'est. Donc tout ça, c'est des bêtises. Ce sont des mensonges. Bah, écoute, oui, non, je confirme, oui. Mais tu as avoué tout à l'heure qu'il y en avait quelques-unes. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Non, non, mais bon, comme tout le monde, il m'est arrivé de faire des vidéos avec mes petites copines, mais là, c'est pas le cas avec Angélique, non, pas du tout. Oh, à quoi ça sert les vidéos? Franchement, à quoi ça sert les vidéos, Chantal? Non, avec... rien. Elle comprend rien, ta mère, la pauvre. Non, mais explique à ta maman en quoi tu trouves du plaisir à filmer tes ébats sexuels. C'est vrai, ça sert à rien. Moi, personnellement, je suis choqué. Moi aussi. Quel menteur! Ah non, quel menteur! Lui, c'est pas vrai. Moi, c'est vrai. Franchement, ça me choque, ça. On n'a pas besoin de ça pour... Mais engueulez-le, il est là. Éclater, je trouve. Hein. Non, mais Alban... C'était une boutade, non, t'inquiète pas. Non, c'était sûr que c'était une blague. Ah bon? C'était une blague, Moustapha, pas de... Non, c'est pas une blague, tout à fait. Ça sert à rien. Non, non, mais enfin, pour le coup, non, mais... Je vous adore. Mais non, mais c'est vrai. Dans l'entrevue, Angélique a déclaré qu'après l'émission, vous avez continué à communiquer par Internet... Et je crois que c'est le meilleur moment pour nous de lire ton Twitter. Ouais.
Vendredi 21h, je regarde Denis Brogniart sur TF1 et je me dis que finalement, qui veut épouser mon fils, c'est un peu culanta. Vendredi 23h, je regarde à nouveau les photos de mes prétendantes sur mon PC et j'ai le disque dur. Ma mère me surprend et m'engueule. J'espère que t'as au moins mis un antivirus. Il est coquin, hein? Dimanche midi, on est à table avec maman. Elle me dit qu'en continuant comme ça, je ne trouverai jamais l'amour avec un grand A. Ça tombe bien, moi je le cherche l'amour, mais avec un petit cul. Lundi 13h, je sors de chez mon psy, tout retourné. Il me dit que c'est trop fusionnel avec ma mère. Tout ça parce que je fête la Saint-Valentin le jour de la fête des mères. C'est vrai que c'est très fusionnel entre vous, hein. C'est fusionnel, mais il ne fête pas la Saint-Valentin en même temps que la fête des mères. Ça, non. C'est sûr. Non, non, il est trop occupé à faire ses films dégueulasses. C'est fusionnel, mais... Non, mais... Mardi 10h, maman déboule catastrophée à la maison. Elle vient d'apprendre que j'allais mixer au Queen. Et elle me dit, tu n'y arriveras jamais, t'as jamais fait un cocktail de ta vie. Mercredi 17h, on m'appelle pour participer à la version autrichienne de Qui veut épouser mon fils. Par contre, on me prévient qu'il n'y aura qu'une seule prétendante et apparemment, c'est mon père. Jeudi 10h, je suis furieux. Je découvre dans la presse qu'Angélique se sert de moi pour se faire connaître. L'enfoiré, elle m'a bien buzzé, hein. C'est vrai que tu t'es fait buzzer, mais... Vendredi midi, je croise Giuseppe et sa mère chez Darty. Pour pouvoir bronzer ensemble, ils essaient de s'acheter un grille-pain géant. Tu l'as rencontré, Giuseppe? Je veux dire, vous avez côtoyé les autres candidats? Absolument pas. Côtoyé, c'est pas le mot, on s'est vu à la finale. On s'est croisé sur le plateau de finale. Et alors? 5 minutes, enfin, si nous concerne 5-10 minutes, mais on n'a pas... Ils sont égales à eux-mêmes, hein, c'est... Ouais. Bah, mais non, mais on n'aura pas parlé. Tout le monde est... Ah si, moi je vais parler un petit peu. Ah oui, mais moi non, absolument. Mmh. On ne se connaît pas, on s'est vu juste à la finale. Elle ressemble à Berlusconi, je trouve, sa mère. Il y a un truc, hein. Oh non. Il y a vraiment un truc. Ah non, arrêtez de lui trouver des ressemblances, c'est sa maman. Ben oui, bon, non, on rigole. Hein. On embrasse la maman de Giuseppe. Ma mère, elle est sensible. Chantal, comment Alban vous a convaincu de faire cette émission avec lui? Oh bah, il n'a pas eu besoin de me convaincre, très sincèrement. Ça s'est passé, c'était lors d'un repas de famille. Il m'annonce qu'il va participer à une télé-réalité. C'était pendant la Saint-Valentin? Et c'était pas la Saint-Valentin. Et il m'a dit, eh, tiens, en fait, avant que j'oublie, toi aussi. Voilà. Ah oui, il a inscrit sans prévenir. Et donc, quoi. Il m'a dit, écoute, comme je sais que t'es cool et tout, quand on m'a posé la question, il fallait les mamans et tout, ça non, mais ça s'est fait à la sauvage, hein, si tu veux. Moi, on est venu me chercher sur Facebook. Ah oui. J'ai reçu un mail, je crois que c'était juste une blague. Ah d'accord. Oui, j'appelle, la nana me trouve sympa, j'y vais, elle me dit, bah, faut que tu viennes avec ta mère. Je dis, comme ça, avec ma mère, je comprends pas. Quand elle m'a annoncé le titre de l'émission, j'ai un peu peur. Elle a kiffé plus que moi, elle m'a dit, mais vas-y, on y va, mon fils. Mais on y va. Tu m'as pas dit ça. Mais si. Non, mais non, tu m'as dit, il faut que je te le dise, toi aussi. Toi aussi, tu vas en faire partie parce c'est que j'ai dit que tu étais cool. Et là, tu m'as dit, t'étais super emballée, ben, tu m'as dit, allons-y. Et si ta mère avait refusé, t'avais une mère de rechange pour faire l'émission ou quoi? Jamais, mais jamais, je change ma maman, jamais. Ah, ça va faire un peu. Eh, ça, c'est quand même mignon. C'est mignon, 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 mignon. Il est quand même taquin, votre fils, parce qu'il a soupçonné la candidate Cindy d'être un travelo. C'est ça, mais pas je vais me très le gentil. Mais je vais me le bouffer longtemps, ce truc-là. Fini, hein. Tu sais que... Non, mais c'était pas très sympa. Mais comment tu t'es rendu compte de ça? Elle avait la gaule quand elle t'a embrassée ou quoi? Attends, déjà, si t'as bien regardé, je l'ai... Non, mais... Si t'as bien regardé, je l'ai surtout pas embrassée. Par contre, l'indice... Non, mais je l'ai dit, c'est parce qu'elle avait une perruque, là, des faux cheveux jusque-là. Attends, mais où t'avais une perruque, Alban? C'est bizarre, quand même. Non, des extensions, je vois bien, mais jusque-là... Tu confirmes que tu penses que c'est un travelot? Oh non. Genre, je... Non, je confirme rien, c'est bizarre, c'est tout, voilà. Donc je lui pose une question ouverte, en même temps, je crois que beaucoup de gens lui ont posé la question. Hein. Oh non. Ah oui, pas toi, parce que toi, ma mère est dans le monde des bisounours, hein, il faut le savoir, c'est-à-dire que... Mais enfin, ça va pas, bon. Non mais, ma maman... Comment il parle à sa mère, Mustapha, lui Mustapha. Chantal, est-ce que vous voulez que je tabasse? Il fait... Non, parce que je peux le faire, hein. Je tabasse votre fils. Je vais te casser la gueule. On parle pas comme ça à Chantal, mon pote. Non, mais personne. Le peu de cheveux qu'il reste, je vais te les enlever, moi. Tu la laisses tranquille. Et en plus, arrête de faire le malin, il faut être gentil avec ta maman parce qu'elle a des dossiers sur toi. Ah mais complètement, elle est capable de t'en balancer un paquet en plus. Bah, surtout, elle a une photo de toi où tu passes l'aspirateur complètement nu. Exactement. Nu comme un verre. C'est possible. C'est le cas de le dire.
Comment vous êtes procuré cette photo? Ah, c'était adorable comme tout. Parce que... Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il passe l'aspirateur à la maison. C'est formidable quand même, l'aspirateur. Il fait plein de choses. Hein. Et puis ce jour-là, je passe devant la chambre et je le vois tout nu, comme un verre, comme ça, de dos. C'est vrai, c'était joli. Et... C'est vrai. Mais je voyais baissé, juste ses fesses. Mais non, juste de dos comme ça. C'était adorable comme tout. Ouais. Puis alors, il passe l'aspirateur, mais vraiment bien. Vous êtes sûr que c'était son aspirateur? Parce que vu le geste. C'est pas sérieux. Ouais, parce qu'il y avait quand même un grand tuyau, hein. Oh oui, c'est à cause de vous, ça. Ils en font l'autre comme ça, je veux la même mère. Non, moi, non, ça. Alors, normalement, une mère normale aurait pu être un peu choquée. Vous, vous prenez une photo, quoi. Non, je suis pas choquée du tout, parce qu'il a l'habitude. Enfin... Ah bon? Comme j'ai l'habitude, il n'est pas pudique, Alban. Voilà. Alors donc, il peut très bien descendre, aller dans le séjour, quoi que ce soit. Pas comme ça, pour dire... Non, mais dis tout de suite que je me balade à poil dans la maison. Non, mais tu n'es pas gêné, ni devant nous, et nous non, et nous non plus. Il m'est arrivé de passer l'aspirateur à poil, parce que c'est vrai, je me sens à l'aise. Mais j'étais cru au cap d'un, t'es chez mes parents. Non, mais ça vous choque pas de voir... Il avait au moins 35 piges. Non, j'ai 29 ans. Non, t'étais plus jeune. 29 ans. Excuse-moi, j'ai compté par rapport aux vœux. Mais pendant ton âge, Alban, t'as craqué sur la présentatrice Elsa Fayer, qui est venue d'ailleurs dans cette émission. Mmh. Elle était quand même enceinte de jumeaux à l'époque où t'es plus ou moins tombé amoureux d'elle. C'est quoi ton délire? Écoute... Non mais explique-moi, c'est quoi ton délire de vouloir sortir avec une femme qui a des jumeaux? Tu t'es dit que c'était la meilleure solution pour faire un plan à quatre, ou je veux dire... Non mais non... Faut être quand même un petit peu cinglé. Non mais déjà Elsa, c'est... Bon, moi j'ai tendance à préférer les femmes, Elsa... C'est une belle femme quand même. Ouais. Et franchement, je savais pas du tout qu'elle était enceinte à cette époque-là. Ça se voyait pas, c'était en février. D'accord. Tu voyais pas du tout, elle était super menue. Et elle est arrivée sur le canapé en disant « Eh non, je ne suis pas la 11e prétendante. » M'a tendu une perche. Alors je dis « Bah c'est dommage. » C'est con, on pourrait passer l'aspirateur. Non mais ça aurait été... Par exemple. Et il paraît que Chantal, vous êtes allée la voir pour lui vendre votre fils. Oui, mais parce que pour lui vendre, j'ai rien vendu. Je suis allée... Elle m'a aidé, elle aime bien me donner des choses comme ça. Je sais très bien, c'est vrai qu'il aime bien les jeunes filles brunes, mates, tout ça un petit peu. Et c'est vrai qu'elle correspondait au profil de jeune fille qu'il aime bien, qu'il apprécie. Donc tout naturellement, bah, je le lui ai dit. Je lui ai dit, vous savez que vous correspondez davantage au profil d'Alban que les jeunes filles en question, quoi. C'était la vérité. Il serait un bon père pour des jumeaux ou pas? Vous le croyez prêt? Ah oui, tout à fait. Pas forcément pour les siens, mais ce serait un bon père. Et finalement, t'as accepté de faire cette émission parce que tu recherchais vraiment une femme ou c'était juste pour te faire connaître en tant que DJ? Oh, la question qui tue. J'ai joint l'utile à l'agréable, c'est ce que je réponds toujours. Non, mais réponds honnêtement. Non, je réponds très honnêtement. Quand on est venu me chercher, j'étais ultra célibataire. J'ai dit pourquoi pas, 10 nanas, on présente 10 filles, c'est cool. Et à côté de ça, j'étais en train de faire encore une nouvelle prod, sortais un nouveau disque, je me suis dit bah ça va le faire quoi. Toi, la seule que tu voulais rencontrer, c'était Cathy Guetta, toi. Mais non, mais Cathy Guetta, j'ai déjà croisé plusieurs fois. Enfin, tu sais, moi je me suis pas improvisé, ça fait 10 ans que je bosse dans la musique. Maintenant, c'est vrai que les gens ils me voient un peu plus aujourd'hui parce que je suis médiatisé, mais c'est un métier qui me tient à cœur depuis très longtemps. J'ai déjà 5-6 prods à mon actif, tu le sais pas, je te sortirai des vieux disques. Qu'est-ce que t'en sais, je le sais pas. Je sais tout, mais je sais la couleur de ton slip au moment où tu me parles. C'est vrai, je suis très informé, moi, attention, je sais tout. Tu veux qu'on confirme? Non, fais pas ça. Mais il y a ta maman, elle, ça la choque pas, mais il y a des gens qui regardent. C'est une émission convenable. Bouge pas. Si je peux me permettre... Mais permettez-vous, Chantal, tout ce que vous voulez. Ah bon, bah tant mieux, ça tombe bien. Alors justement, en parlant d'Elsa Fayer, qui est une personne adorable, hein, j'ai rien contre elle, j'avais entendu lors d'une interview justement qu'elle disait que on lui demandait de quelle façon elle avait recruté les gens, les mamans, les garçons, tout ça, et qu'en fait, nous, les mamans, nous étions allées la voir en détresse, en grande détresse, pour essayer de caser nos fils. C'est vrai que t'es en détresse, J'étais loin d'être en détresse, parce que moi, ils se casent, tant mieux, s'ils se casse pas, tant pis, et puis c'est tout. Je veux dire, mais j'étais loin. On n'a pas du tout été voir Elsa Fayer. D'ailleurs, je ne la connaissais pas. On ne l'a vue que sur le 5 minutes et demie, quoi. 3 minutes et demie à l'entrée du château, et puis 3 minutes et demie à la fin, à la finale. Donc pendant tout le tournage, on n'a pas vu Elsa Fayer. Je ne dis rien contre elle, vous êtes absolument charmante, Elsa. Mais non, mais c'est vrai. Mais à aucun moment, nous sommes allés la voir. Parce qu'à un moment donné... Tu as des problèmes de vue aussi, maman, tu as des problèmes de vue. Tu sais, quand on vient te chercher à la gare et que tu ne vois pas où je suis. Oui, mais ça, c'est pas pareil, Alban. Attends, problème de vue. Non,
Non, il faut que je vienne avec un petit drapeau hein, sur la voiture. Non. Ma mère, non. Que l'hiver, Alban. Que l'hiver. Il paraît qu'en réalité, votre fils ne vit plus chez vous depuis au moins 7 ans. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Vous mentez aux Français? C'est possible. Non, je vais pas du tout mentir aux Français. Tu vis plus chez ta mère depuis 7 ans. J'ai une chambre chez mes parents. D'accord, donc tu ne vis pas chez ta mère. Que j'utilise certaines périodes de ma vie. Et en ce moment, je l'utilise. Enfin, là, je l'utilise pas. Oui, pour l'émission, ça t'a bien arrangé, mais tu ne vis pas chez ta mère, on peut se le dire. L'émission est terminée. L'émission n'est pas terminée, reste deux épisodes. Pratiquement. Il y a deux épisodes. Non, mais c'est vrai que je me suis fait balancer par. De toute façon, on t'a balancé. La même personne, d'ailleurs, qui a sorti un paquet de dossiers, mais. Oui, j'ai une certaine indépendance, c'est vrai. Et ta mère, c'est vraiment ta mère au moins, ou c'est une meuf que t'as rencontrée sur Facebook? Non, c'est ma mère. Non, mais attends, je tiens à rassurer les gens. Vous regrettez d'avoir participé au jeu? Ah non, moi je regrette pas de toute façon. Regarde, on est là aujourd'hui. Avec toi. Ça engendre plusieurs choses et je pense que c'est quelque chose qui reste unique dans. Mais. Qui restera unique. Maman, elle a raison, dans le sens où, regarde, tu découvres les coulisses d'un tournage. Oui, c'est. Le staff. Et surtout, vous avez une nouvelle belle-fille maintenant. Tu kiffes? Je vous le dirai pas. Allez. Mais il est au courant de tout, Mustapha. Tu peux. Je sais tout, vous pouvez me le dire. Ah bon, vous savez tout? Ouais. Alors, puisque vous l'avez dit. Non, mais pourquoi? Enfin, on va voir si on discute, quoi. Ah oui, alors? Bah, elle est sympa. Elle est très sympa. Vous en pensez quoi, vous? Elles sont sympas, je veux dire, elles sont sympas. Mais on connaît tous la fin, on sait que tu pars avec Giuseppe, ça va, c'est pas nous la faire. Tu vas pas nous la faire à nous, quand même. Mais en fait, mais toi, tu dragues tout ce qui bouge, quoi. Je veux dire, si tu fais l'île de la tentation, t'es éliminé dans l'avion à l'aller, quoi. Le mec, il merde dans les chiottes, quoi. Alban, tu rêves de devenir un célèbre DJ. D'ailleurs, tu viens de sortir un single. Le titre, c'est Over You. Voici un extrait du clip. Cool. Légal, bien entendu. Alors, Chantal, vous aimez la musique de votre fils? Bah oui, c'est sympa. Et vous iriez mixer avec lui en soirée ou pas? Ça pourrait être cool, les deux. Ah, j'adore. Bah, elle est venue hier au Queen. Hein. Elle est venue au Queen? Bah, je l'emmène tout le temps, tu vois. Non, je déconne, elle était pas. Ah, d'accord. Non, mais j'irais bien, c'est pas un souci. Hein. Vous aimez les boîtes? Vous sortez un petit peu? Non, j'aime pas les boîtes. Non, j'ai jamais aimé les boîtes. Bah, ça va être gênant parce qu'il va pas mixer au KFC, votre fils. Non, je n'aime pas les boîtes. Non, attendez. J'adore danser, mais je n'aime pas la boîte de nuit, voilà. Mais tous les deux, vous êtes très beaux à voir, quand même. Et pour être honnête, moi aussi, je suis très, très proche de ma mère, à tel point que, parfois, elle m'aide à écrire le journal des Ça vient de tomber. People, si Guy Carlier était un roi, on l'appellerait Burger King. Prévention, sortez couvert si vous couchez avec quelqu'un. Sauf si c'est Victoria de la Roue de la Fortune, parce qu'elle, elle est déjà en plastoc. C'est vrai. Bon, si vous le dites, hein, moi je ne dis rien. Politique, la femme de François Fillon a un nouveau mec. François Fillon. Vacances, il est dangereux et il schlingue. Cet été, faites attention sur les plages aux grands rouquins blancs. Cinéma, Samuel Le Billon a un nouveau projet cinéma. Il va aller voir les petits mouchoirs. Vous pensez qu'il y aura une saison 2 de Qui veut épouser mon fils? Ah, ça, je ne sais pas. Il y a des chances, je pense, vu le carton que ça fait. Ouais, je pense. Vous la feriez? Bah, pourquoi pas? C'est sympathique. Pas, hein. Non, pas. Mais si t'as plus de meuf, tu serais bien content d'en faire un deuxième, non? Alors, vous le referiez pour le public, au moins, non? Moi, si c'était à refaire, oui, c'est pour le public, pour ce que ça engendre après. Parce que je trouve que c'est très sympathique. Vous aimeriez faire de la télé ailleurs, Chantal, d'ailleurs? J'adorerais. C'est vrai? Oui, bien sûr. Bon, on va lancer un appel. Qu'est-ce que vous pourriez faire à la télévision? Ben, je sais pas, moi, vous remplacer, peut-être, non? Il y a des chances. Mais non, je
plaisante, excusez-moi. Hein. Mais non, mais je vous en prie. Mais vous voyez pas déjà, vous pouvez me tutoyer. Ah, c'est vrai? Mais oui. J'adore. Hé, ouais. Hey, Chantal. Oui. Donne-moi la main. Il y a la main chaude et moi j'ai la main froide. Mais oui, donc. Je suis très très chaud. Ah oui, moi. Moi je serai ton barbecue, Chantal. Ouais, d'accord. On sera tièdes tous les deux, t'es froid, tu es chaud. Bah voilà, ouais. C'est mitigé, ouais. C'est mitigé. Albon, toi, ça y est, tu as eu la chance que TF1 te trouve quelqu'un. En tout cas, tu as eu au moins la chance qu'on te ramène des meufs sur un plateau. C'est pas le cas de tout le monde. Tiens, je pense à nos joueurs de tennis français battus en finale de Coupe Davis et qui auraient bien besoin de quelqu'un pour le consoler. On t'a donné un coup de main et je pense qu'aujourd'hui, c'est à toi d'aider les autres. Tout de suite, qui veut épouser mon fils? Je vous présente mon fils, Gaël, mon fils. Vous l'avez sûrement déjà vu sur un terrain de tennis en vous demandant ce qu'il foutait là. Eh bien, en fait, il jouait au tennis, ou du moins, il essayait. Et le problème au tennis, c'est que les filles, elles sont un peu comme Cindy, tu vois. C'est-à-dire, elles ressemblent un peu à des mecs. D'ailleurs, je suis sûr que... Bah, Serena Williams, je suis sûr, bah, c'est un travelot. Hein. Avec le tennis. Avec le tennis, mon fils s'est sculpté un corps d'athlète 1m93, 80 kg, 25 cm de tour de bras gauche et 95 cm pour le droit. Et effectivement, je me sers de mon bras droit au tennis et aussi pour la masture, bah, pour le bras droit. Du coup, si vous n'avez qu'un seul sein, je préfère le gauche. Ça t'arrange. Mon fils est très taquin. À chaque fois, on croit qu'il va enfin gagner un tournoi important. Et finalement, non. Je cherche la meilleure pour mon fils, même si pour l'instant, lui n'est clairement pas le meilleur. Il faudrait qu'elle aime voyager. Hein, il faudrait qu'elle aime voyager dans des destinations de rêve, style bah, Roland-Garros, Wimbledon, par exemple. Le Palais Omnisport de Bercy également. C'est plus des week-ends que des voyages, parce qu'après le premier tour, t'aimes pas trop t'attarder, toi. Ben justement, je cherche aussi quelqu'un de manuel, quelqu'un qui pourrait construire un podium de 12 marches pour que je puisse enfin monter dessus. Sur le podium ou sur la... Mais sur le podium ou sur la fille? Maman, enfin, sur la fille. Mais tu sais bien que j'ai aucune chance, là, au tennis, là. Je recherche une fille, d'ailleurs, trilingue, pour qu'elle puisse dire à Nelson Montfort de fermer sa grande gueule, parce qu'en trois langues différentes... Non, en trois langues différentes, d'ailleurs, pour qu'on soit sûr qu'il ferme vraiment sa gueule, là. Alors pour joindre mon fils, son numéro, je vais vous le dire, c'est tout simple. C'est comme ses scores au tennis, c'est tout simple. 06 06 06. Mesdames, je vous attends. Qui veut épouser mon fils? Chantal et Albon pour une version un peu parodique de Qui veut épouser mon fils. On espère que mon coup de fil voudra épouser Gaël, mon fils, maintenant. Il s'appelle Albon, il s'appelle Chantal. Vous pouvez les voir dans l'émission Qui veut épouser. Je trouve vraiment dégueulasse. On l'appelle encore fort. Albon et Chantal.